Salut à tous, c'est Gorskull. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec quelques infos sur ce qui est en développement. Encore un stock dans les coffres pour agrandir encore la base. On va s'inspirer un peu de ce qui était sorti. Ils ont fait une sorte de petit tournoi où ils ont proposé aux des cinglés qui se jouent à ce jeu-là de faire des trucs complètement mais démentiels, hein. Ils ont fait des paquebots, ils ont fait des gros centres, les mecs, ils ont fait des temples sur l'eau, ils ont fait. Je vous invite à aller voir sur la page du jeu justement sur Steam. Et pour ceux qui n'ont pas de PC et Steam et qui me suivent, j'ai pris des photos, enfin pris, j'ai fait des captures d'écran sur ce qui est justement en cours de développement pour vous montrer. Alors, je ne sais pas quand ça va arriver. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Ils ont parlé justement des grandes îles. Donc, comme vous le voyez ici, donc ils ont là généralement on a des îles, bon, plus ou moins grandes. Là, tu vois le truc, c'est quand même plus balèze. Alors là, on peut voir une entrée de, je sais pas, tu vois, t'as des rochers, peut-être des grottes à l'intérieur avec des surprises, peut-être des minerais à, je sais pas comment ils vont faire ça. C'est une supposition, hein. Je sais pas du tout. Ils ont parlé aussi de nouvelles végétations. Donc là, on le voit pas très bien, mais enfin bref, ils sont sur de la nouvelle végétation et un nouvel ennemi aussi. Parce qu'on n'avait que le requin jusqu'à présent. Bon, la mouette qui venait picorer, bon, entre nous, la mouette, elle venait picorer, c'était pas très dangereux. À part te piquer les graines, elle te faisait rien d'autre. Et du coup, ils nous auront. Ah, c'est pas grave, vas-y, le requin, fais-toi plaisir. Là, en développement, donc toujours en développement, hein, je ne sais pas quand ça va sortir, si ça va sortir, s'ils vont le changer, donc on va se garder de tout ça. Et là, une sorte d'aigle, de machin, de sacré mec. Et à ce qui paraît, c'est considéré lui comme ennemi. Donc la mouette qui reste passive par rapport à toi, je pense que lui, il va venir te casser le crâne. Et l'arc sera vraiment intéressant pour bien s'amuser. Ou des coups de hache hein, dans sa tronche, ça fera du bien aussi. Donc voilà, je tenais à vous montrer au moins ces images-là, surtout pour ceux qui n'ont pas le jeu sur PC ou qui n'ont pas Steam, tout simplement. Donc voilà, vous avez pu voir ce qui est en cours de développement. Ça peut encore changer, attention, il faut, voilà, faut émettre une réserve quand même dessus. Voilà, on va s'agrandir ça. J'ai vu quelques trucs, hein. On va s'inspirer et non pas copier. J'avais dit qu'on allait faire qu'une petite plateforme qu'on allait monter. Ce que j'avais dans l'esprit, c'était au final de continuer une plateforme un peu en hauteur parce que j'ai vu un truc super sympa sur un des palaces qu'un des mecs avait fait pendant ce fameux truc. Et c'était assez sympa, donc on va essayer de le réaliser. On va voir ça ensemble. Par contre, à chaque épisode, je me fais avoir, j'ai toujours pas de. Voilà, je suis toujours à sec en boisson et en nourriture. Donc, du coup, dans cet épisode-là. Ah ouais, bah si je commence déjà full. Tout par terre, ça va pas le faire. Corde, je vais garder. Écoute, on va juste prendre. Ah, et depuis la dernière match, je me suis aperçu aussi que ben, malheureusement, l'astuce de mettre ton équipement, donc les palmes, on va en garder un, alors, je te montre, les bouteilles d'oxygène et les palmes, avant tu les remontais dans ton inventaire, tu les redescendais, elles se remplissaient de nouveau. Maintenant c'est fini, ils ont vu l'astuce, les mecs, et ben, va falloir que tu les recraftes une fois qu'ils sont justement. Alors, je vais te montrer un peu l'idée, tu verras, ce sera plus simple. Attends, on va en laisser 1, 2, 3. 1, 2, 3. On va en laisser 2. Oh, par contre, c'est gourmand en bois. Ouh. Peut-être pas assez de stock, mais je pense que si. Regarde, tu vas voir le truc dans l'esprit. Merde, qu'est-ce qu'il fait la Gorskull et tout machin, ça ressemble à rien et tout. Tu vas voir, c'est. Écoute, j'ai vu le truc. Après, je sais pas ce qu'il a dû mettre. Si je pense des petites palissades comme ça, yes. Quel côté? Attends. Ouais, tu vas voir le truc. Et on va en profiter pour faire justement le.
Mince. Ce que tu as besoin pour faire justement ton atelier peinture. Donc on va regarder ça. Je vais devoir peut-être... ouais, couper. On va juste laisser un espace vide. Pour... Alors attends, comment je vais faire ça? Attends, comment il avait fait le mec? Il l'avait donc fermé ici. Donc comme ça sera mieux. Est-ce que le bord il redépasse pas de l'autre côté? Si, fais voir. Ouais, non, ça va, ça fait pas dégueulasse. En fait, si tu veux, il s'est fait tout un. Enfin, je vais t'expliquer. Attends. Ah bah si je commence à faire n'importe quoi, on va pas s'en sortir. Bon, après, il y a les paniers qui se remplissent, il y a mes palmiers. Voilà, en gros, le but. Attends, je vais enlever ça. Dans l'esprit, c'est de faire une plateforme là, du coup, qui monte. Alors, est-ce que j'ai pas mal mis le. Le mec, il a fait ça. Je crois que j'ai mal fait mon truc. Les panneaux, j'aurais dû les mettre après pour faire une petite plateforme. Et en fait, ça descend. Ouais, on va faire ça sur le côté. Attends, on va voir. On va se faire notre atelier. Attends, il commence à faire nuit. On va récolter les. On va rien récolter du tout. On va se mettre au lit. C'est quand même gourmand en ressources. Alors le but c'est de faire comme une sorte de terrasse avec un renfoncement dedans. Et le mec il avait tout peint en vert. Il a mis des arbres et tout dedans comme si tu veux, tu avais un terrain de. Pas un terrain de foot, mais je veux dire un jardin, tout simplement. Un jardin. Et ça faisait vraiment classe, hein, sans déconner. Sans déconner, ça faisait ça. Attends, il est où lui? Ah bah, il est déjà en train de péter mon truc là. En fait, le mec, il bascule comme ça, il fait tout un truc. Après, on va voir comment descendre dedans, faire un beau truc. On va se faire un... Ça prend beaucoup de ressources, sans déconner, merde. J'ai pas... Plus que j'en avais prévu, justement. Alors, on laisse juste un trou, c'est pour l'atelier. On va quand même se faire l'atelier. Et on peut faire un peu de farm après ensemble. Hein. On n'en fait jamais dans les épisodes. Pour voir un peu comment... Comment je m'en. Pas je m'en sors, mais comment je m'y prends. Ah, on vient de passer à côté d'une île. Tu vois, on était concentré là-dessus. Revoir. Donc, tu vois, c'est quand même une grande île, mais comparé à ce qu'on a vu sur la photo, je pense qu'il y aura. Ça peut être sympa. Donc, on va récupérer tous les tonneaux. Ça fait un peu dégueulasse pour l'instant, ce truc-là, mais justement, avec des couleurs et tout machin, c'est sympa. Alors, l'atelier peinture. Donc, il y aura un pinceau à faire, les plumes, elles sont en haut. C'est dans quel onglet déjà? Alors, je tarde, hein, je tarde à faire les. Bon, ouvre les yeux, Gorskull. Établis ligne d'oiseau, non. Pinceau, d'accord, ok, mais moi je veux le truc là. Ah, attends, coffre. Enfin, coffre, tonneau, pardon. Établi voile, donc ça c'est les encres, non. Atelier de peinture. Ferraille, on en haut. Voilà, donc tout ce qui est là-dedans, hop, ça je le prends, je le mettrai après en bas. Voilà, tu vois, j'en ai là en haut. On va descendre tranquillement. Est-ce qu'il avait fait une plateforme autour? En fait, tu vois, il faut juste une plateforme là encore ici, et après ça descend. Et pas tout de suite en sec, comme ça, que tu puisses circuler tout autour. Et je pense que c'est ça. Je vais devoir le refaire un coup. Putain, je l'entends qui. Tu sais quoi, on va essayer de la choper en plein vol. Putain, saloperie, putain. En mouvement, ça va être. Et avec l'albatros là de tout à l'heure là. Ah, ça redescend. Bon, allez. On va continuer. On va arrêter ces conneries. On va. Oh! T'as imagine, ça tombait dans le. Dans le machin, tu vois? Ça tombait dans le trou, t'es, on était chocolat, mon gars. Oui, voilà, tu vois. Il faut que tu aies ton. Bah, vu que c'est hydro le truc, voilà. Tu vois, ça fait tourner ton atelier de peinture. Donc là-dedans, tu mets tout ce qui est fleurs.
Donc j'ai pas pris parce que bah, effectivement j'étais plein. Ce qu'on va faire, on va quand même faire la plateforme. Tant pis. Ça m'a coûté 2 tout à l'heure. J'en récupère 1. Donc là, j'ai divisé mon tas par 2. Bon, c'est pas bien grave. Ce qui serait sympa, qui rajoute l'option éventuellement de. Comme pour les établis, les autres objets, de pouvoir rester dessus, cliquer et de faire déplacer, tu vois. Ça t'éviterait de casser. Bon. Ça, on verra bien. Donc là, du coup, il faut que je parte sur plutôt du parquet en bois. Et après, seulement on descend. Ça nous permettra d'avoir une plateforme tout autour. Alors, je suis peut-être un peu près avec la. Voilà, pour cacher, pour pas faire dégueulasse. Bah, je trouvais ça sympa sur le papier, comment le mec il avait fait ça. Là, j'en fais un petit, lui, c'était à une taille beaucoup plus importante. Donc, à voir comment on va faire ça après. Et en fait, si tu veux, tu pouvais monter ici, tu circulais. Et là, en contrebas, t'avais. Écoute, c'était magnifique. Tout peint en vert. Comme si ça te faisait un jardin, en fait. Et j'ai trouvé ça sympa. J'ai dit, tiens, je vais vous montrer différentes possibilités, différentes choses. Autres que bah, de la simple construction. Ah, tu vois, je suis déjà oum en machin. Alors, ça fait un peu de gaspillage en termes de place, hein, je te le cache pas. Est-ce que je suis vraiment obligé de tout raccorder? Tu vois, si je peux faire plutôt une plaque sur deux, de toute façon, sans dessous. Après, on sait pas. Le requin, comment il va venir, le temps qu'on fasse des planches renforcées. Et après, tu pars comme ça, tac, tout le long. Et ça te fait justement ton petit jardin. Donc on va aller chercher et faire tourner bah, l'atelier de peinture. Comme ça vous verrez au passage comment ça se machine. On pourrait éventuellement. J'ai pas beaucoup de place. On va remettre les machins ici. Peut-être redescendre dans les coffres les. Attention, il arrive. Vous savez. Allez. Peut-être se revider là-dedans. Et déplacer l'atelier de peinture au complet. Bon, c'est un peu le foutoir. Donc effectivement, comme ça donne pas grand-chose encore, mais dans l'idée, tu m'as compris. Un tonneau, on laisse jamais passer un tonneau. Sinon, oui. Donc du coup, pour les infos en développement, bah, il y a ce que je vous ai montré. Et comme dit, c'est en développement. Donc on va se garder de. C'est des suppositions que je fais. Peut-être transformer en couleur, tu vois. Écoute, on va commencer avec le bleu. Mais non, j'ai dit que je prenais tout le coffre. Retirer. Donc les épisodes raft, hein. Toujours un petit peu plus soft que l'épisode de Paint the Town Red que j'ai mis. Un petit épisode furtif là que j'ai tourné. On en voit des grossièretés, c'est vrai, mais c'est sympa. Il y en a qui aiment bien. Donc tu places, ça tourne. Et après, tes petits pots, ils vont se remplir. Tu n'auras plus qu'à les ramasser. Et après, avec le pinceau qu'on va aller crafter aussi, tu auras une palette de couleurs qui va s'activer. Ah, tiens. Dos. Donc, on va essayer de faire des trucs sympas. Pas juste des bâtiments, des passerelles, des machins. On va essayer de faire des trucs un peu plus stylés. Oui, pour revenir, ouais, l'épisode Paint the Town Red, ouais, on a envoyé du lourd. Alors ça plaira peut-être pas à tout le monde, il y en a qui vont dire ouais t'as Gorskull, t'abuses, machin. Voilà, c'est un épisode, faut le prendre comme il est. Hein. Faut le prendre comme il est. Alors, on pose le coffre discretos, comme ça au moins on a toutes nos. Alors là tu as les graines, hein. Si tu veux faire pousser les fleurs toi-même, que de les récupérer sur une île, hein, bah, comme les palmiers, les mangues et tout ça. Tu peux faire toi-même ta plantation de fleurs pour justement les récupérer, les. Hop, voilà, graines et fleurs au-dessus. Et une fois que tu as toutes les couleurs, tu vois, hop. Et tu récupères. T'as 18, alors on a dit qu'on allait faire le pinceau. Le pinceau, j'ai encore mettre 2 heures à le trouver. Non, c'est bon, il est là. Planche et plumes. Alors les plumes sont haut et les planches, on va en trouver quelques-unes au passage. On va tout ramasser. Alors, j'ai toujours pas l'info sur la quantité d'objets qui peut être récupéré dans les paniers.
Si elle est infinie ou pas, là, ça, j'en ai toujours aucune idée. Plume, voilà. Hop, fabriquer le pinceau. Donc, tu vois, tu as 90 billes ici. Donc, je vais te montrer comment ça se retranscrit une fois que tu mets le pinceau en main. Alors, la touche, voilà, clic droit. Donc, il te met les couleurs et tu vois, en dessous, il te met tout de suite ce que t'as, ce qu'il te faut pour les nuances. Voilà, si tu veux du plus sombre, du logique, hein, du tout simple. Hein. Donc voilà, du bleu. Bon, j'ai mis du bleu, mais je sais même pas si les poteaux, tu peux. Ah si, tu vois, tu peux mettre tout. Poteau, peut-être l'échelle aussi, mais bon, bref. On va se mettre deux poteaux bleus, c'était histoire de voir. Ça fait des. On changera de couleur, c'est peut-être pas la meilleure des couleurs, mais. Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu. On va agrandir là un peu vite fait. On en a récupéré quand même au passage. Bah, du plastoc, hein, on en a encore. Gorskull, bouge pas trop vite ta caméra. Mon nouveau PC devrait arriver fin août. Et là, niveau qualité, on serait sur une qualité un peu plus correcte. Hein. Effectivement, sur du 60 FPS, avec toutes les textures à fond et tout machin. C'est vrai que là, avec un PC de 5 ans. Qui date de 5 ans, c'est un peu compliqué de faire des merveilles, mais on va y arriver à faire quelque chose de bien. Alors attends, non, plutôt sur la tranche ici. Donc voilà, l'idée c'est de partir là-dessus et après continuer et laisser tout le creux là-dedans en fait. Et là, tu as ton. Alors je sais pas si c'est obligatoire de. Attends, on va essayer. Ah non, j'ai pas assez évidemment déjà. Peinture, bah du coup on va se remettre une autre couleur pour faire les nuances. On va mettre du noir pour faire du un peu plus foncé. Donc tu mets tout dedans, puis tes petits pots. Enfin voilà. Donc c'est vrai, my bad sur les premiers épisodes, les fleurs ça sert juste à décorer. Bah en fait non. Tu as l'astuce. L'astuce, non, c'est pas une astuce. Tu as réellement maintenant à. Tu sais à quoi ça sert. Hein. On va aller se casser. On a de la place dans l'inventaire. On va redé. Si, attends, tac, on met ça là. On va déposer juste le tas de cornes. On en a plutôt pas mal. Voilà, hop, par 20. On va aller en haut. Il n'y a pas de deal sur place. Pour. Casser nos palmiers. Donc tu vois, d'en bas, ça fera tout un tour. Enfin bref, avec les couleurs, tu verras, ça fera sympa. Peut-être pas cet épisode-là, on aura peut-être pas le temps de machin. Je veux pas faire des épisodes non plus qui durent 30 minutes. Donc là, tu vois, la peinture, tu peux être autonome. Dès que tu as les graines, tu les récoltes après sur. Alors les fleurs, ça se met dans les petits bacs, hein, comme le petit bac qu'on a là sur ma gauche. Hein, voilà, ici. Je sais pas si j'ai des graines de. Non, des graines de fleurs. Mais tu peux vraiment tout, quoi. Hein. Tout faire. Hein. Et les mecs, ils ont fait des palaces, des paquebots. Le mec, il a fait un. Le Black Pearl, il a fait tout. Enfin bref, ils ont fait des trucs, mais des. Une imagination et un temps monstre qu'ils ont passé là-dessus. Parce que. Au-delà d'avoir de l'imagination, ben, il faut farmer aussi. Hein. Ça se fait pas tout seul. Hein. Les planches, tu vois bien que. Que j'avais mis un petit stock de un peu plus de 100 planches, c'est parti à une vitesse de dingue. Donc pour apporter un petit peu de couleur. Et tu vois, l'idée après c'est de partir comme ça et tout laisser fermer ici. Attends, on va enlever ça. Donc cette planche-là, on l'aurait pas. Voilà, elle n'a pas lieu d'être. Ah! Il y a du courant. Ça fait beaucoup de gaspillage en bois, mais en termes voilà, de plaisir et de faire un truc chouette, ça peut être sympa. Attends, je l'ai pété lui, mais est-ce que je devais au moins le péter lui? Attends, j'ai peut-être pété n'importe quoi. Qu'est-ce que. Attends. Attends voir. Ouais, c'est bon. C'est bon, puisqu'on repart à la nuit, j'aime pas ça. Le coffre, il est pas en dessous.
Et après, on repartira. Ouais, ben, on verra plus tard. Donc voilà, énormément de possibilités. Se faire un mini jardin. Oh, une île, je suis dans quel sens? J'y vais ou j'y vais pas là? Ah non, je passe à côté. Au revoir. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai hâte, le jeu tourne. Il y a du développement, il y a des. Il y a du boulot qui est fait dessus. De l'amélioration, du nouveau contenu en annonce à chaque fois, c'est vraiment plaisant. C'est pas tous les jeux en accès anticipé pas qui se donnent autant de mal, mais qui voient que t'as de la réponse derrière, de l'attente des joueurs. L'écoute de la communauté, alors après, au niveau de la communauté, je sais pas comment ça se suit, hein. Je vais pas sur les trucs les forums en développement et tout ça, parce que surtout sur le Giraffe, c'est en anglais. Et moi et l'anglais, ça fait 3. Alors là, on est parti sur du petit, hein. On pourrait grignoter, mais je préfère à la limite laisser toutes les plateformes. On est parti sur vraiment le mec qui l'a fait, c'était un truc plus géant. On peut le faire un peu plus loin en longueur et après repartir de cette plateforme. Refaire un truc plutôt sympa. Donc il y a des choses à faire hein, quand tu regardes d'en haut. Attends, on va monter un peu plus haut. Tonneau. Prends visée. Ah, c'est bon. Donc attends, on va monter là. Donc là, avec les couleurs, tu vois, j'aurais dû faire peut-être un peu plus large. Bon, on a commencé petit de par le manque des ressources. Mais avec un truc tout coloré, tout machin, avec tout un. On peut faire même un effet piscine si tu veux, puis déplacer à la limite après le truc. Il y a plein de choses, plein de possibilités à faire. On pourra partir faire quelque chose de sympa. Est-ce que j'aurais dû partir en pente sur les côtés, pas rester tout droit? Je sais pas. Écoute, moi, je pense que c'est pas mal comme ça. On fait tout un tour et puis voilà. On essaye des trucs, mais pour essayer des trucs, c'est gourmand en ressources. Et comme dit, voilà, ça prend du temps, faut farmer. J'ai farmé pas assez. La prochaine fois, pour le prochain épisode, je farmerai assez. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai mis un petit peu de. Donc tu vois, maintenant le bleu, on peut partir sur la nuance bleu, un peu plus foncé, tu vois. Voilà, admettons. Là, je vais partir sur quand même sur du vert. Tiens, du vert. Ah bah c'est là. Ah bah si, si, c'est un mélange de. Oui, bah les couleurs primaires, donc effectivement. Donc il va nous falloir du jaune. Voilà, fleur jaune, et on pourra faire du vert comme si c'était une. Comment dire, bah, un jardin tout simplement. Et j'irai chercher tous mes bacs là-bas en haut, qu'on déplacera ici, et puis on fera une sorte de jardin sympa avec des fleurs dans les bacs et compagnie. On fera vraiment un petit truc joli, et puis là en haut on se fera autre chose justement. En haut on se fera une tour de guet, ou alors on mettra justement, tu sais quoi, maintenant que j'y pense, on déplacera tous ces palmiers, on les mettra dans le pseudo jardin fait maison avec de la peinture. On se mettra tout ce qui est les antennes avec la station de recherche, parce qu'on va quand même essayer de chercher cette base secrète. Je prends un petit peu mon temps parce que j'ai pas envie de mettre fin à cette série, parce que elle est sympa. Beaucoup de gens à mon niveau, à mon petit niveau à moi de doucement avec la caméra. Voilà, à mon niveau à moi, bah, c'est déjà très bien le nombre de vues que j'ai dessus. Donc voilà, je pense qu'on va mettre le truc antenne là. Sur le toit là-bas, en haut à droite, on va monter une big tour avec d'observation. Oui, c'est pas grave, je me laisse comme ça, tu vois le truc en sombre. On va mettre une big tour d'observation, on va craft les jumelles, comme ça on pourra voir un petit peu loin, puis faire le capitaine. Et voilà, donc il y aura encore un, deux, trois bons épisodes là, et puis peut-être plus. Donc voilà pour les news. Donc merci de m'avoir suivi. Passez une bonne matinée, bonne soirée, bonne journée. Enfin, comme d'hab, quoi, un petit peu tout et n'importe quoi. Et je vous dis à plus. Salut les gars!